الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le prophète عليه الصلاة والسلام avait reçu la révélation. Il était devenu de Muhammad ibn Abdullah, Muhammad le fils de Abdullah, il était devenu le messager, le porteur du message, عليه الصلاة والسلام, celui qui devait délivrer au monde avec et par le miséricordieux, puisque c'est Ar-Rahman, Allam al-Qur'an, le miséricordieux, il a enseigné le Coran, mais en même temps, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Eh bien, il venait avec ce message. Et ce message, nous commençons déjà à en voir des éléments qui vont être déjà la périphérie des choses qui sont importantes, la reconnaissance de Dieu, et puis ce rapport à l'unicité, la nécessité de la connaissance, et puis par la force des choses, par rapport aux hommes, comme nous l'avons vu hier, l'idée de la persécution possible, du rejet qui va avoir lieu et qui va être une réalité, et nous en parlerons d'ailleurs dans les jours à venir. Mais ce qui est important ici, c'est que le prophète sallam va lui-même au travers d'une expérience d'élévation spirituelle. Dieu l'éduque et lui fait vivre des expériences, et il l'a appelé, il a répondu à son appel. Alors regardez, le prophète sallam vient vers Dieu dans la quête de sens, et Dieu lui envoie Jibril, l'ange qui lui répond. Et puis il lui envoie quelques révélations, et tout à coup, au moment où lui attend, donc Dieu vient à lui quand il vient à lui, et quand lui attend, tout à coup il y a un silence. Selon les traditionnistes, ce silence va durer de 6 mois à 2 ans et demi, ou plus de révélations du tout. Il n'y a plus de révélations du tout, et ceci va énormément troubler le prophète sallam. Et dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, on dit même qu'il montait sur une colline et qu'il était prêt à mettre fin à ses jours, tellement il était tellement il avait cru qu'il était élu, et tout à coup il se dit, je ne suis pas à la hauteur, peut-être que j'ai commis quelque chose qui n'était pas ce qu'il fallait faire. Donc il y a un doute. Et vous voyez, le doute quant à soi, le doute par rapport à soi-même est une chose importante. Au moment où vous jeûnez, au moment où vous essayez la purification personnelle, c'est-à-dire le travail sur vous, tazkiyat an-nafs, tout ce travail spirituel, eh bien, à des moments donnés, bien sûr, on a des doutes sur soi. On se dit, mais je peux être tellement mauvais, je peux faire des choses qui sont... On peut vivre des choses qui sont du doute. Ce doute-là, s'il est vécu avec la confiance en Dieu, et à un moment donné, chaque fois qu'il va sur la colline, alors à ce moment-là, Allah lui envoie par Jibril un mot, une parole qui est dit, tu es certes l'envoyé de Dieu, de le protéger, le laissant douter en le protégeant de lui-même. Et donc ici, ce qui est important, c'est de se rendre compte que ce doute quant à soi peut avoir des dimensions extrêmement positives. Pourquoi ? Parce qu'il va nous apprendre l'humilité, mais une autre chose, le doute géré, c'est la force de la conviction. Quand on gère son doute, quand on fait face à son doute, eh bien la conviction s'installe. Croire sans à des moments donnés se remettre en cause, faire el muraqaba, c'est-à-dire se regarder, s'observer, eh bien ça peut être la foi de ceux qui vivent leur foi dans l'habitude et non pas dans le questionnement. Non, là, ici, c'est le doute qui questionne et qui va donner de la force. Le prophète sallam va gagner beaucoup de force par cet apparent moment de faiblesse. « Ce qui ne tue pas, dit le proverbe, rend plus fort, le doute que l'on maîtrise rend la foi plus profonde. » C'est une expérience, il faut la prendre comme telle, mais ça veut dire qu'il faut parfois faire face à ces doutes avec du courage et chercher la conviction avec détermination. Que Dieu nous aide, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, Inch'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.